Ma passion, c'est la transformation des fruits sur tous leurs états. Donc, ça peut être des mousseux, ça peut être des liquoreux, ça peut être dans les mousseux, méthodes traditionnelles, les spiritueux depuis peu. Donc, on produit vraiment, nous, tout ce qu'on. En fait, on transforme tout ce qu'on produit. Ça va du petit fruit en passant par les pommes, les poires. Une forte expertise aussi au niveau des poires. En fait, au début, c'était vraiment anodin. On cherchait avec ma conjointe Michèle, en fait, une terre où on voulait s'amuser. Aucun projet derrière la tête. Et puis, c'était plus pour s'établir. Et puis, le plaisir, en fait, de la ruralité, le plaisir d'être en contact avec la terre. Et puis, un beau jour, en fait, on avait cessé de chercher. Jusqu'à un moment donné, le hasard a bien fait les choses. On a trouvé, en fait, on nous a proposé cette terre-là. Puis très rapidement, quelques heures, en fait, on a décidé de l'acheter. Puis à un moment donné, on a dit qu'est-ce qu'on va faire de cette belle terre, de quelle manière, en fait, on va être capable de la mettre en valeur. Puis on a décidé, à un moment donné, ce qu'on sait mieux le faire, en fait, c'est la transformation alcoolique. Puis on a décidé, en fait, c'est ça, de valoriser le verger qui était déjà sur place, un vieux verger qui avait été planté par des anciens, un site tout à fait exceptionnel. Et puis, depuis le temps que je suis au Québec, donc 2003, je suis dans la région du Haut-Saint-Laurent. Je n'avais jamais eu à me plaindre. D'ailleurs, même au début, j'étais à Longueuil, puis j'ai décidé, là, de facto, là, de revenir direct dans des zones rurales, là, parce que moi, c'est ma vie, c'est vraiment ce qu'on aime. Pourtant, malgré tout, j'ai quand même travaillé dans des grandes villes comme Paris, et j'avoue que plus jamais de la vie, j'y retournerai. J'ai mis une croix également sur des villes comme Montréal, et puis de moins en moins, en fait, on a l'intérêt d'y aller. De plus en plus, on a tout ce qui est à proximité, on a tous les commerces de proximité, même que ce soit au niveau des loisirs, que ce soit au niveau des épiceries, que ce soit au niveau des promenades, ce genre de choses. Je veux dire, même ma conjointe, par exemple, a un cheval, donc c'est intense tout ce qu'on peut faire dans la région. D'un point de vue, en fait, entrepreneur aussi, nous, puis producteurs, ce qui est le fun, c'est que c'est une région, en fait, qui est zonée 5, donc peut-être ça ne vous parle pas, mais c'est une des régions qui est le plus chaude ici au Québec. L'intérêt pour nous, c'est qu'on peut diversifier toutes les plantations. Les hivers, malgré que j'aime beaucoup ça, sont quand même courts, mais à un moment donné, ça suffit pareil. On aime bien quand le printemps revient. Donc finalement, la période végétative, donc là, c'est très professionnel ce que je dis, est adaptée, nous, à ce qu'on souhaite faire. Mais je pense que même au niveau du monde, là, on aime bien quand même, on aime la chaleur, peut-être pas outrance, là, mais on a quand même une belle période, en fait, végétative, une belle période où on peut aller dehors. Puis même l'hiver, ça n'empêche pas, malgré tout, on a pas des hivers non plus qui sont ultra rigoureux, comme on peut connaître plus dans des provinces ou bien dans des régions plus nordiques. Puis moi, je me suis adapté très vite. C'est sûr qu'on ne va pas se mentir, les premiers mois sont toujours complexes, mais je pense que tout ce bassin-là a contribué à faire que maintenant, on est bien où on est, puis on ne souhaite plus aller à droite, à gauche. On a trouvé notre zone d'accueil.